C'est l'heure du journal et vous rejoignez TV Plus Madagascar en ce moment. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour le journal de ce soir. Comme d'habitude, nous allons d'abord suivre les titres. Seule la personne concernée et le procureur de la République sont aptes à confirmer le maintien ou non de la nationalité d'un citoyen selon les explications de la ministre de la Justice ce jour. Cette confirmation ne peut se faire que par voie de requête ou d'assignation effectuée par un huissier dont la copie de la demande doit être déposée au ministère de la Justice. Le président de la République, Andry Rajoelina, devrait démissionner au plus tard le 10 septembre 2023 s'il veut se présenter à l'élection présidentielle. En effet, selon la Constitution, le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel. Le début de ce délai de 60 jours tombe exactement le 10 septembre 2023. Malgré la pression politique sans précédent exercée par l'Occident sur les pays en voie de développement, y compris Madagascar, la Russie est convaincue que les relations bilatérales russo-malagasques continueront à se développer progressivement. Les deux pays disposent d'un bon potentiel pour intensifier la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines et du tourisme, selon l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Madagascar. En Afrique centrale, au Gabon, brandissant son béret vert de la garde présidentielle, porté en triomphe par ses hommes de cette unité d'élite censée protéger le président, le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du Gabon, a été désigné mercredi président de la transition après que les putschistes aient fait fi des résultats de l'élection présidentielle. Tout de suite les détails d'information. Seule la personne concernée et le procureur de la République sont aptes à confirmer le maintien ou non de la nationalité d'un citoyen, selon les explications de la ministre de la Justice ce jour. Cette confirmation ne peut se faire que par voie de requête ou d'assignation effectuée par un huissier dont la copie de la demande doit être déposée au ministère de la Justice. Or, le procureur a affirmé n'avoir reçu aucune copie de demande d'assignation concernant la nationalité de Andry Rajoelina. Ce dernier n'a pas non plus effectué de demande auprès du tribunal de première instance concernant sa nationalité, selon toujours la déclaration de la ministre de la Justice lors d'une conférence de presse sur le sujet où elle a fait attendre les journalistes pendant 3 heures de temps cet après-midi. Question politique, le président de la République, Andry Rajoelina, devrait démissionner au plus tard le 10 septembre 2023 s'il veut se présenter à l'élection présidentielle. En effet, selon la Constitution, le président de la République, Andry Rajoelina en exercice, qui se porte candidat aux élections présidentielles, démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel. Le début de ce délai de 60 jours tombe exactement le 10 septembre 2023. Selon un juriste, les textes prévoient que le président de la République, Andry Rajoelina, peut déposer sa candidature à l'élection sans avoir démissionné préalablement. C'est seulement une fois sa candidature validée qu'Andry Rajoelina est tenu de démissionner. Explication recueillie par Fitia Vanadoni et Yves Kassata. La date de clôture du dépôt des candidatures à la course à la magistrature suprême approche. En effet, pour pouvoir participer à la course, les candidats ont jusqu'au 6 septembre 2023 pour constituer leur dossier et les déposer, et cela sous réserve de validation par la HCC ou Haute Cour constitutionnelle d'Ambouïda. Andry Rajoelina,
président de la République en exercice, a jusqu'ici maintenu le suspense sur sa candidature, bien qu'un second mandat de sa part ait été de nombreuses fois sollicité par ses partisans lors de ses déplacements. En tout cas, s'il se présente aux prochaines présidentielles, Andry Rajoel n'est tenu par la Constitution de démissionner le dimanche 10 septembre 2023. La Constitution stipule que le président de la République en exercice, qui se porte candidat aux élections présidentielles, démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel. Nombreux ont été ceux qui se sont trompés sur le calcul de la date de sa démission, avançant qu'Andry Rajoel devrait quitter la tête du pays le 9 septembre 2023. En comptant minutieusement les 60 jours avant la date de l'élection, prévue le 9 novembre 2023, sans respecter si Andry Rajoel démissionne le 10 septembre 2023. La Constitution prévoit que le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président. Dans le cas actuel, ce sera Herman Narazafmaev qui deviendra le président de la République par intérim s'il ne compte pas lui-même se présenter à l'élection. Dans le cas où le président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de chef de l'État sont exercées par le gouvernement collégialement, stipule encore la Constitution. En tant qu'intérimaire, Herman Narazafmaev ne pourra ni remanier le gouvernement, ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni encore réorganiser la structure administrative préétablie avant la démission d'Andry Rajoel. Selon un juriste, les textes prévoient que le président de la République, Andry Rajoel, peut déposer sa candidature à l'élection et cela même sans avoir démissionné. C'est une fois sa candidature validée qu'Andry Rajoel est tenu de démissionner. D'ailleurs, dans le cas où la Haute Cour constitutionnelle invalide son dépôt de candidature, le président Andry Rajoel continuera de diriger le pays jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, toujours selon les explications. Malgré la pression politique sans précédent exercée par l'Occident sur les pays en développement, y compris Madagascar, la Russie est convaincue que les relations bilatérales russo-malagasques continueront à se développer progressivement. Les deux pays disposent d'un bon potentiel pour intensifier la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines et du tourisme, selon l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Madagascar. La cérémonie de remise du prochain lot d'aide alimentaire acheté et livré à Madagascar par la Fédération de Russie en coopération avec le Programme alimentaire mondial a eu lieu ce jour. Reportage de Gracia Anjetitouirna sur les images de Yves Rassata. Malgré le contexte géopolitique difficile provoqué par l'opposition de la Russie aux tentatives occidentales d'imposer son hégémonie dans les affaires internationales, la Fédération de Russie affirme être toujours prête à apporter son soutien à Madagascar, notamment en matière de résolution des problèmes complexes de développement socio-économique. Les relations entre les deux pays sont fondées sur un dialogue mutuellement respectueux et égal, ainsi que sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun. La Russie est prête à poursuivre et même à renforcer sa coopération avec Madagascar dans le domaine politique, notamment sur la question de la restauration de la souveraineté de Madagascar sur les îles éparses, dans le domaine commercial, économique et celui des investissements mutuellement avantageux. Malheureusement, vu l'arrivée des prochaines présidentielles et aussi la pression sans précédent des Occidentaux en ce qui concerne la question ukrainienne, la partie russe et la partie malagasse n'ont pas pu achever jusqu'à présent et signer ces projets. Néanmoins, nous continuons un dialogue durable et constructif sur plusieurs domaines. Et on espère continuer notre dialogue dans l'avenir proche. La Fédération de Russie a déclaré que la Russie continuera à fournir des denrées alimentaires à l'Afrique, à la fois sur une base contractuelle et à titre gratuit. La cérémonie de remise du prochain lot d'aide alimentaire, à savoir 322,5 tonnes de pois jaunes,
a eu lieu ce jour, l'objectif étant de contribuer à la lutte contre la malnutrition dont l'importance ne peut être sous-estimée, dit l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Madagascar. Les propos concernant les Jeux des îles de l'océan Indien. L'accès à la cérémonie de clôture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien au stade Bareya de Mamasna ce dimanche 3 septembre se fera sur présentation de tickets, ont annoncé ce jour les forces de l'ordre. La distribution des tickets et l'ouverture des portails auront lieu à 8h à Mamasna pour des raisons d'organisation. Des barrages filtrants seront également mis en place aux alentours du stade pour éviter toute forme d'attroupement aux abords des accès. Les détails avec Mtina Anjimbolo et Omega Ranevzon. De nouvelles mesures seront appliquées lors de la cérémonie de clôture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien ce dimanche 3 septembre 2023 à Mamasn. Telle a été la déclaration conjointe des membres de l'EMONAT, état-major mixte opérationnel national, et ceux de l'EMOREG, état-major mixte opérationnel régional, ce jour à l'issue d'une réunion avec le comité d'organisation des Jeux des îles. En effet, pour éviter de nouveaux drames meurtriers, comme ceux qui s'étaient produits lors de la cérémonie d'ouverture, une nouvelle stratégie a été adoptée. La cérémonie restera toujours gratuite, mais des tickets seront distribués à ceux qui voudront y assister pour des raisons d'organisation. D'après les précisions, la distribution de ces tickets se fera à Mamasna le jour de la cérémonie comme pendant les festivités de 26 juin. Chaque personne recevra un ticket dont la couleur déterminera le portail par lequel elle devra entrer. Ce ticket servira de billet d'accès au stade Bareya de Mamasna. Des barrages filtrants seront également mis en place aux alentours du stade afin de faire le tri entre ceux qui peuvent y avoir accès et ceux qui ne le pourront pas. Seules les personnes qui détiennent des tickets seront autorisées à passer par ces barrages. Cette mesure vise également à prévenir tout attroupement inutile aux abords du stade, précise le leader de l'EMONAT et non moins commandant de la gendarmerie nationale, le général Andra Koutunjazak. Les forces de l'ordre en appellent également à la population à suivre les consignes déjà mises en place. L'effectif des éléments mobilisés pendant la cérémonie de clôture sera renforcé pour de meilleurs résultats, d'après toujours les forces de l'ordre. Toujours dans ce sujet, Madagascar maintient jusqu'à ce jour sa première place dans le rang des médailles. Les athlètes malagas ont gagné 91 médailles d'or, 55 médailles d'argent et 68 médailles de bronze, soit 214 médailles en tout selon les derniers résultats. Les équipes nationales de volley-ball masculine et féminine se sont toutes qualifiées en finale après leur victoire de ce jour. Les explications. Les athlètes malagas restent au premier rang des médaillés jusqu'à présent pendant cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien selon les derniers résultats. En athlétisme, Zia Pestine de Madagascar a gagné une médaille de bronze au javelot féminin. Namahaku Sentia, à son côté, a gagné deux médailles d'or aux 400 mètres dames. En sport collectif, les équipes nationales de volley-ball masculine et féminine se sont toutes qualifiées en finale après leur victoire de ce jour. Pour les dames, Madagascar a battu Maurice sur un score de 3-7-2. Pour les hommes, la grande île a remporté la victoire sur les Seychelles sur un score de 3-7-0. Les volleyeuses malagas affronteront leur homologue seychelloise en finale. Les hommes de leur côté feront face aux Réunionnais toujours en finale. Ces deux matchs comptant pour la finale se tiendront au Palais des Sports le dimanche 3 septembre, dernier jour des compétitions. Côté football, les Bareya de Madagascar ont battu l'équipe des Comores sur le score de 4-2 au stade Bareya de Mamasna. Se sont également qualifiés en finale des Jeux des îles de l'océan Indien. En Afrique centrale, précisément au Gabon, brandissant son béret vert de la garde présidentielle pour les hommes de cette unité d'élite censée protéger le président, le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du Gabon, a été désigné mercredi président de la transition après que les putschistes aient fait fi des résultats de l'élection présidentielle. Les détails avec France 24. Brice a été désigné
à l'unanimité, président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Par la voix du porte-parole du comité militaire, les putschistes ont officiellement annoncé la désignation du général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine gabonaise, comme chef de la transition. Plus tôt dans la matinée de mercredi, après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays, un groupe d'officiers de l'armée gabonaise avait annoncé avoir pris le pouvoir, annulé les résultats de l'élection présidentielle de samedi et placé Ali Bongo sous résidence surveillée. C'est de là qu'il a lancé un appel à l'international. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit, de faire du bruit, de vraiment faire du bruit. Un coup de force qui a provoqué des scènes de joie à travers la capitale Libreville et ailleurs dans le pays. Le changement, c'est maintenant, c'est fini. 60 ans de dictature. Dans la foulée de la désignation de leur chef, les putschistes, constitués en comité militaire, ont promis de travailler pour la stabilité du pays. Le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Les militaires ont annoncé mercredi soir le rétablissement de la diffusion des médias internationaux suspendus depuis samedi soir et le maintien du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Restez sur TV Plus Madagascar et retrouvez-nous dans le journal en version malgache à 19h30. À très vite.